Nous sommes sur la Potomac River, si je ne m'abuse. À quel endroit exact? Je ne sais point. Mais il y a de belles maisons. Belle verdure. C'est fort joli. Le dernier programme, c'était un mouillage à Mont Vernon. Là, dans la... le temps qui arrive, là. Mouillage à Mont Vernon. Et puis après, on apparaît ce soir. À Magnon, à l'Écubier! Nous sommes à Mount Vernon, la propriété de George Washington, et nous arrivons à son tombeau que nous allons saluer, et après nous avons une réception donnée par Mouet Hennessy, présidée par Madame Royal. Voilà. C'est historiquement très fort de venir saluer le père de la Révolution américaine. La Lafayette a séjourné ici de nombreuses fois. The greatest gift that France has ever bestowed upon itself, aside from liberty and freedom. At this incredible feat, which links us to some of the most exciting parts of our common history. Alors, le mouillage. Alors, avant tout, on démarre le moteur et on vire sur la chaîne. Donc, on ravale toute la chaîne qu'on a mouillée au préalable. Et donc, on vire jusqu'à ce que le jas se présente comme ça. Le jas, c'est la pièce en bois de l'encre. Et hop, quand elle sort de l'eau comme ça, on arrête de virer. Et donc après on descend sur le jas. Il y a un mec qui descend sur le jas et on est capone, on dit. En fait il y a un palan de capot qui va remonter l'ancre sous son bossoir là. Et donc voilà, il y a un mec qui descend. Après on reprend la tension sur le capon quand c'est mis en place. On envoie tout ça au cabestan. Et ben là on va virer et l'ancre va venir se mettre en place sous son capon. Réveil là, je souhaite ça, c'est cool. Retour à la ville, on va aller voir ça demain matin là. Ouais, c'est autre chose, quoi. Mais ça va faire du bien aussi. Là, ça, on va en prendre plein les yeux, je pense. Ouais, ça sent les US à plein nez, ouais, à plein nez. Distance devant. 25 mètres par rapport au Mathieu. Tu peux y aller pour la touline. Caution. Heads up.